Monseigneur Pierre-André Dumas, révérend père, pèlerin de partout, paroissien,
Révérend Père Franz Price, curé de la paroisse, paroissienne, sœurs et frères bien-aimés, avec le cœur, l'âme et les yeux pétillants de joie, je vous dis bonjour et bonne fête de Saint-Jacques. Mes amis, je nous t'attends à récit rivé. Nous te prétendons pour nous préparer que nous pendant 9 jours. Et pour nous la prière pour pays nous. Et tant nous t'avons médité sous thème ça. À la belle Sabelle, le nouveau Saint-Jacques cap marché sous terre d'Haïti, l'a annoncé justice à cœur posé, grâce à bénédiction pour tout le monde. Dans la liturgie de cette solennité, Jésus prédit que Jacques et son frère Jean l'évangéliste boiront vraiment à sa coupe. Et il nous enseigne également l'humilité de cœur. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Pendant la messe là, on la prière bon Dieu par l'entremise Saint-Jacques pour nous toujours gagner un cœur qui est simple, qui est prêt pour servir l'autre. Et pour thème nous gagner pour fête là, river réaliser dans pays nous. Et maintenant, peuple de Dieu, veuillez vous lever et d'un seul cœur chantons à notre Dieu. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Cher Père Franz Price, chers confrères dans le sacerdoce, autorité de la région, notable de Fermat et de Kinshoff, chers pèlerins et dévots de Saint-Jacques, chers paroissiens, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ce matin rassemblés pour célébrer la fête de Saint-Jacques. Et donc, le Seigneur nous invite à la joie. Mais en même temps, le Seigneur nous invite à porter au pied de l'autel les difficultés, les problèmes, les épreuves,
les joies aussi, sans oublier toutes celles et ceux qui se sont confiés à nos prières. Je dis à PIA, lui confiez-nous mission pour nous intercéder pour lui par Saint-Jacques. Il y a plus de monde qui m'a demandé de la prière pour eux. On a fait ça avec la foi nous, le recueillement, le silence, l'ouverture que nous pour nous écouter et le célébrer l'Eucharistie, ça, à côté de nous, puiser force, à courage pour nous aller de l'avant, à nous disposer que nous, pour nous bien vivre, pour bon Dieu, bonne grâce et bénédiction, pour paix et justice, nous chercher à Saint-Jacques, capable de demander bon Dieu pour nous. Ensemble, à quoi, là, à nous chanter. Thank you.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons le Gloria. Puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à son Église de trouver dans son témoignage un exemple et une force, et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. Chers et frères bien-aimés, les attitudes de prière sont nombreuses et il y a dans chacune une signification spirituelle particulière. Mais aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons Moïse adopter la position des mains levées vers le ciel, ce qui permit aux Israélites de remporter la victoire contre Amalek. Écoutons cette lecture du livre d'Exode au chapitre 17, les versets 10 à 13. Josué fit ce que Moïse lui avait dit et il combattit contre Amalek. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le haut de la colline. Et lorsque Moïse tenait les mains élevées, Israël était victorieux. Mais lorsqu'il les abaissait un peu, Amalek avait l'avantage. Les mains de Moïse se fatiguaient. Alors, on prit une pierre et on la plaça sous lui. Moïse s'assit dessus pendant qu'Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit un massacre d'Amalek et de son peuple. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 126. Ils reviendront dans la joie portant des gerbes. Ce psaume exprime le mystère de la vie sur la mort, espérance pour les affligés et pour ceux qui sont déçus du peu de fruits de leur labeur. Dont les larmes moissonnent dans la joie. Ensemble, ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de sème dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fit pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert. Qui s'aiment dans les larmes moissonnent dans la joie. Larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte la gerbe. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent dans la joie. Larmes moissonnent dans la joie. Dieu a voulu mettre son trésor dans nos cœurs, tout en sachant que ce sont des vases fragilités par notre nature humaine. Mais il en est ainsi pour que nous puissions reconnaître que notre puissance ne vient pas de nous, mais de Dieu, et que c'est lui qui nous fortifie dans les épreuves. Écoutons cette lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 7 à 15. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés,
mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi magnifique que notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Parole du Seigneur. Choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui dirent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez,
Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cher Père Franz Price, curé de la paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur à Fermat, très chers confrères dans le sacerdoce, autorités civiles, municipales, législatives, politiques, judiciaires et policières, notables et habitants de la région, distingués invités, pèlerins et dévots de Saint-Jacques, paroissiens de Fermat et de Kinskoff, chers amis des environs, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Jacques le Majeur, apôtre et martyr. C'est pour nous un jour de fête et de joie. C'est un jour d'allégresse et de grâce. Jour, comme nous dit le psalmiste, qui devient un jour de rêve et de rire, où les autres, en nous regardant, peuvent se dire « Quelle merveille fit pour eux le Seigneur !» Oui, le Seigneur nous a ramenés comme des captifs de Sion vers l'espérance qu'il veut préparer pour chacun, chacune d'entre nous. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On jette les semences et on s'en vient, on revient en chantant, puisque le Seigneur permet à son peuple de pouvoir ramasser, recueillir les semences. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui donc, le Seigneur, par l'intercession puissante de Saint-Jacques, veut écouter nos cris, veut exaucer nos prières, veut accueillir nos pleurs. Et aujourd'hui, la clameur de cette assemblée, le cri de notre peuple monte vers Dieu dans le ciel. Et le Seigneur nous dit que par cette piété populaire, par cette vie de foi, par cette fervente dévotion, personne ne rentrera chez lui sans être exaucé. Pas de monde qui a tourné la caillou, j'ai été venu là, frère Maxime. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous donne, en dépit de la complexe situation que vit notre pays, il nous donne, disais-je, la possibilité de nous rassembler ce matin pour vivre un moment de recueillement, de fraternité, de communion et de retrouvailles spirituelles et communautaires autour de Saint-Jacques, cet homme qui, dans sa vie, a vaincu toutes les forces du mauvais, du méchant, du mal. Et ainsi, il est notre patron. Il est notre patron, nous sommes venus prier Dieu par son intercession. Et nous sommes venus puiser
en lui des inspirations, puiser dans l'Eucharistie des énergies nouvelles, pour tirer des inspirations profondes pour nous-mêmes, pour notre conversion, pour la purification de nos communautés, pour la guérison de nos âmes et pour la sanctification de notre peuple. Je dis à Haïti, pays nous, besoin quitter Saint-Jacques, marcher dans mitan, je t'aime l'en dit nous, viens marcher avec nous pour nous capables de jouer une cœur posé justice et pour nous capables de jouer une grâce et bénédiction. Et nous besoin à travers Saint-Jacques comprendre qui qualité bagaille bon Dieu m'a donné pour nous faire. Et moi-même, moi, je crois qu'on résume la grande révolution de service. Et nous, ouais, c'est ça, lecture, l'évangile l'a dit, nous. Jacques, avec maman, avec famille, l'allemand de Jésus, yon faveur. Qui faveur lié pour que lui-même, avec frère Jean, yon tous les deux, ses petites Marie de Salomé et de Zébédé, y'a demandé pour yon rete à gauche, yon rete à droite. En fait, nous t'es capable de dire, pour yon capable peut-être président, notre premier ministre. Ou bien, dans l'autre langage, il est capable pour yon président de l'Assemblée nationale et l'autre là lui-même, le président pays. Et bien, Jésus répond yo, que les gens qui ont pouvoir dans les mains, ils agi aux gens, ils ont dominé, ils ont frappé pied, ils ont fait moun souffrir, ils ont maltraité. Mais nous-mêmes, ça ne doit pas faire comme ça parmi nous. Que le plus grand parmi vous se mette au service de tous les autres et que celui qui veut s'élever, qu'il comprenne d'abord qu'il doit s'agenouiller, s'incliner pour laver les pieds des autres. Frère Maxime, je dis à Jacques, petit Zébédé, ça, c'est lui-même qui te comprenne ça, Jésus t'a dit. Il te comprenne que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est style ça, je dis à nous venir apprendre dans mail. C'est façon ça, n'a pas capable de joindre, cœur posé avec justice, n'a pas cherché. C'est façon ça, tout, n'a capable de joindre grâce, bon Dieu, qui a aidé nous, construit la vie nous, construit pays nous, construit famille nous, construit communauté nous. Jacques, t'es montré en pile générosité, en pile capacité pour te bailler tête li. Il t'es montré dévouement le gagné. Les Jésus et l'île, pendant qu'il a fait la pêche avec Frère Jean, avec Zamilio, André, avec Pierre, il a quitté toute bagaille. Il a quitté Kaili, il a quitté Filet, Nacio, il a quitté Chaloupli, Bakla, il a quitté métier, la profession, il a quitté famille, il a quitté la vie, il a mené avant, il a quitté petit projet Palio, il est rentré dans le grand plan, remet bon Dieu, bien pour le peuple. Et Jacques découvrit que le projet, le plan de Dieu pour ses enfants est donc un plan d'amour et d'excellence. Bon Dieu pas créé aucun monde par hasard. Chaque monde, bon Dieu créé, il y a un plan, il y a un appel, il y a une vocation, il y a une mission qu'il confie. Et où monde a raté la vie si qu'on pas répondre fidèlement à mission ça. Et mission, c'est pas vle dit pour occuper uniquement ça les premiers postes ou bien occuper première place. Mission, c'est rester fidèle à ça bon Dieu mandé ou et vivre li yon façon pour qu'on capable créer la vie pour l'autre yo, rendre l'autre yo heureux et travailler pour que société kotoye a yo senti ou même c'est pas une série de fausses valeurs, anti-valeurs k'ap mené ou, mais c'est des valeurs éternelles, c'est des valeurs évangéliques, ce sont les vertus provinciales, ce sont les vertus humaines profondes. Frère Maxime yo donc Jacques, montrez-nous que yon moun k'ap suivre mettre là ou pas capable n'importe qui gens. Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 13e, vous m'appelez maître et seigneur et vous le dites bien, je suis justement maître et je suis seigneur. Cependant, si moi qui suis maître et seigneur, je me suis incliné pour vous laver les pieds, combien vous aussi vous devriez en faire autant pour vos frères et sœurs? Eh bien, c'est par ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples, mes amis et mes intimes. Et on se rappelle quand le pape Jean-Paul II, le 9 mars 1983, était venu ici en Haïti, il avait dit beaucoup de choses. On se rappelle de quelques-unes de ces choses. Il avait dit, il faut que les choses changent. Tout le monde songeait ça. Appelant avec bon français et accent polonais, il faut que quelque chose change. Et il avait dit aussi, il faut que les pauvres
de toute sorte se reprennent à espérer. Bagayo, si vous changez, faut que vous changez pour porter la grande espérance pour tous ceux qui souffrent, pour tout le peuple de Dieu. Et troisième parole, papa te dit, que souvent oubliez, pour que les choses changent en Haïti, il faut que les Haïtiens apprennent à se servir, à servir les uns les autres et à se laver les pieds les uns les autres. Changement pas fait si chaque monde c'est des pouvoirs à courir. Changement pas fait si chaque monde a bail l'autre mauvais coup. Changement pas fait si chaque monde connaît a poulé l'autre là. Moule haïtien, moule blanc pour me passer de l'avant. Changement pas fait si c'est la corruption tout le monde chita. Changement pas fait si tout le monde a essayé rentrer dans ce que nous appelons la cacocratie. La cacocratie, cacos signifie ce qui est mauvais. Cratie signifie pouvoir, c'est le pouvoir de ceux qui se comportent comme des mauvaises gens, ceux qui vivent dans la méchanceté, ceux qui sont mafieux, ceux qui font de mauvaises choses. La cacocratie ne peut pas être la chose à accepter, puisque le Christ nous a enseigné que celui qui est au pouvoir, il doit servir. Celui qui occupe la première place doit se mettre au service des autres. Et ceci ne concerne pas uniquement les politiciens. Ceci concerne chacun, chacune d'entre nous, là où nous sommes, là où nous vivons, même dans la famille. Souvent, eh bien, yon parle mettre au service de l'autre. Parfois, monsieur avec madame, parfois, timounio par rapport à parents, parfois, parents par rapport à timounio, mais parfois, tout le voisinage. Côté, pas gain esprit de service encore, ça disparaît. Et c'est une plus grande souffrance pays nous. Il y a un déficit de service. Quand on était plus jeune, plus petit, on voulait réellement se mettre au service des autres. Mais on a appris par une certaine culture, je dirais, une certaine façon de voir les relations sociales. On a appris maintenant qu'il ne faut plus servir les autres, mais qu'il faut se servir. Ou bien, il faut demander aux autres de nous servir ou imposer aux autres de nous servir. La fête de Saint-Jacques de ce matin nous donne la possibilité de réfléchir sur cela. Les paroles de Jésus ne sont pas des paroles pour le passé, pour les temps anciens. Ce sont des paroles qui nous interpellent. Aujourd'hui, est-ce que je suis encore en mesure de me servir des talents, des énergies, de la compétence que j'ai, de tout ce que j'ai pour réellement me mettre au service de mes frères et sœurs? C'est ça la grande question. Et Haïti va pouvoir se reprendre quand on commence à se mettre sérieusement au service de la communauté, au service de sa propre famille, au service des autres familles, au service des institutions, au service de la vie publique et de l'administration, au service, je dirais, à la limite de la profession que le Seigneur nous a confiée. Et donc, chacun d'entre nous doit s'examiner, et particulièrement nos frères et sœurs que Dieu appelle à servir le pays comme politique ou politicien. La politique doit être au service de la population. Si on fait de la politique et que l'on se rend compte qu'on se sert d'abord soi-même, qu'on n'arrive pas à servir la population, il faut se poser des questions au niveau de sa propre conscience, parce qu'un jour l'histoire nous jugera tous. Quel genre de service, quel type de service que nous offrons à la population, quel type de service que nous offrons à notre communauté. Et ici, particulièrement dans cette communauté, nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens laïcs, catholiques, qui s'engagent à être efficaces dans la communauté. Mais nous devons offrir davantage, nous pouvons faire davantage, nous pouvons offrir beaucoup de services. Et en pile fois, nous connaissons paroisse. La paroisse, comme disait Saint Jean 23, est la fontaine du village. Une paroisse, c'est un lieu de service, de fraternité, de communion. On vient ici pour prier, certes, mais aussi on vient pour former une vraie communauté. Ce qu'on ne trouve pas ailleurs, on peut ici commencer à le vivre pour que ce lieu devienne un point de repère, un point de référence pour les autres. Frère Maximio, l'évangile de Matthieu que nous avons écouté nous rappelle ceci. Ordonne, Seigneur, que Jacques et Jean, mes fils, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus de répondre en mettant en exergue le service comme le fondement de la vie communautaire. Les premières places sont données par mon Père. Et vous savez que les chefs des nations commandent en maître. Et ils se comportent comme des grands, ils humilient les autres, ils les piétinent. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, moi-même, je suis venu pour servir et donner ma vie pour la multitude. L'évangile de Matthieu, au chapitre 20, nous dit que nous devons entrer dans cette dynamique de service. La capacité de servir libère le cœur. Le service est essentiel et fondamental pour nous tous, pour construire des relations positives, pour faire vivre et normaliser nos institutions, pour rendre la vie publique une vie publique capable de créer du bonheur, de la félicité pour les autres. Oui, le service nous permet de faire fonctionner la société. Les mounios disent qu'il n'y a pas de service, sont tracas. Et si maintenant, les éléments de base, fondamentaux, qui permettent, Jean, psychologue Abraham Dili, qui permettent qu'on soit capable de manger, boire, ou capable de jouer un petit travail, un petit caille pour dormir, si les choses essentielles ou pas jouer un service, ça, ou capable de commencer à tomber dans la délinquance, qui peut mener à une dérive côté on ne vit plus en société, mais on vit plutôt dans des bandes, et alors on devient des bandits. Bandits, c'est production, pas nous. C'est laboratoire, machine, pas nous, kabayo, parce que nous pas mettez nous ensemble pour fond pays. Nous chita à défendre des idées claniques. Nous chita à défendre des intérêts personnels. Je dis à son groupe, demain son l'autre. Je dis à nous-mêmes qui vient de la prière. Nous avons demandé Saint-Jacques pour l'aider à nous comprendre que s'il n'y a pas de service, il n'y aura pas d'administration publique. S'il n'y a pas de bon service, les institutions seront de plus en plus affaiblies. S'il n'y a pas de service, il n'y aura pas de bonne gouvernance. Et pour avoir de bons services, il faut qu'il y ait de bonne gouvernance. Frère Maxime, espérance que nous devons mettre que nous là-dedans et avenir, mon Dieu, voulait nous construire, nous devons chita sous capacité de service que Jésus parlait avec Jacques. Jean-Patriarche Job te dit, la vie de l'homme sur cette terre est un temps de service. Alors, ou même qui jeune, qui timoun, ou même qui commençait à vivre moins jeune, ou même qui commençait à entrer dans le grand monde, quelle qualité service ou offrir? Une société, la qualité de la vie d'une société se voit, se manifeste à partir de la qualité de service qui est offerte à tous. C'est pour nous accepter, développer une spiritualité de service pour que nous grandissions dans une humanité de service. Et c'est humanisme de service ça qui permet société nous rivons côté. Le mot serviteur employé par Jésus se dit de deux manières dans le texte grec que nous avons lu. D'abord, le mot doulos qui signifie appartient à quelqu'un, vivre, se sentir appartenu à quelqu'un comme si on était son esclave. Comme la Vierge Marie a dit, je suis eh bien, ta servante, ton esclave, fais de moi ce que tu veux. Donc il s'agit des relations, des rapports, la relation que nous avons avec Dieu, avec les autres. Nous sommes tellement, nous portons tellement l'autre dans notre projet de vie, dans notre plan, que nous pouvons l'intégrer dans nos grandes décisions. Et alors nous appartenons à l'autre, nous lui appartenons, nous appartenons à notre communauté. Souvent, certaines personnalités montent, mais la communauté ne monte pas. C'est le service, la qualité de service qui permet à toute la communauté de grandir, qui permet à toute la communauté de pouvoir se développer. Le sous-développement d'Haïti eh bien, est dû justement parce que l'on refuse de servir l'autre, on se sert uniquement soi-même. La deuxième façon de présenter le mot serviteur ici, c'est à travers le mot diakonos. Le diakonos est celui qui accepte de se mettre au service de l'autre. L'Église a développé cela dans le premier degré du sacrement de l'ordre, le premier degré du sacrement, je dirais, du sacerdoce, qui s'appelle le diaconat. Si une communauté ne développe pas la dimension diaconale, si chrétien yo n'a aidé l'autre, a servi l'autre, eh bien, dimension sale disparaît, même si communauté a la prière, même si la communauté a annoncé parole là, dimension service qui manquait fait communauté à boiteuse. Et là, on paye, les que
dimension service là pas gagné et bon mettre senti même si pays ça a réussi nous te manquer champion dans football tout haïtien content mais faut que nous développer nous te wati monsieur le match là te mettez ensemble on a servi ballon on a servi l'autre on a récupéré pour l'autre un bon esprit d'ensemble un esprit d'équipe c'est sans service ça nous tout doit trouver pour nous capable vivre vraiment donc Josué dans chapitre 24 dans livre Josué les peuples a sorti en Égypte, quand elles font expérience fondamentale de l'expérience du service de Dieu, Josué passait un examen, demandait qui voulez-vous servir, les dieux de l'Égypte ou bien le Seigneur? Mon Dieu, on t'y a hésité, on dit oui, tout ça, grand maître l'a dit, n'a fait. Josué répond, il dit moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Donc, le service du Seigneur doit libérer nos cœurs pour que nous nous mettions au service de nos frères et sœurs. Souvent, là, nous mettons bon Dieu. Dehors dans l'histoire, nous, là, nous voulons construire l'histoire pour contre nous, ou bien là que rapport à bon Dieu nous a manipulé, nous instrumentalisé, alors nous ne pas mettre nos services de l'autre encore, nous préférer attendre que pour nous servir dehors, pour nous faire servir nous, ou bien pour nous entrer dans le self-service côté ces têtes pannes uniquement n'a servi. Frère Maxime, le service, c'est la réalisation du but ultime de l'existence et de la mission historique de chacun et de tout peuple. Souvent, le service, quand il existe, dans notre pays, parfois n'est pas de qualité. Parfois même, eh bien, la politique n'est pas au service du citoyen. L'économie, s'il n'est pas au service de la population, si les institutions ne se mettent pas au service du peuple, eh bien, souvent, nous déformons, nous entrons dans ça, nous relais, la cacocratie. Le pouvoir de ce qui est mauvais, des médiocres, des méchants, des mafieux, de tout ça qui n'est pas bon pour un peuple. Notre mission, Frère Maxime, est de servir la cause de cette humanité en souffrance, la cause de tous ceux qui attendent de Dieu justement la possibilité de pouvoir entrer dans la dimension du service. L'Évangile ne veut pas nous dire que notre foi, notre religion est une religion servile ou une religion qui nous rend esclaves avec une mentalité de néocolonisé comme le pensait Nietzsche, mais au contraire, l'Évangile nous dit que servir, c'est une mission, c'est un appel, c'est une vocation. Jésus est le modèle parfait du serviteur. C'est lui qui nous dit que nous devons retrouver le paradigme du service, la vision du service, de nouvelles perspectives de service pour que la communauté nous ait qu'à bouger. Avec Jésus, frères et sœurs bien-aimés, commence pour nous, pour l'humanité, la vraie révolution du service. Nous tendez ces jours-ci, on parle en pile de révolution dans le pays ça. Il y a des gens qui parlaient de révolution en douceur, il y a des gens qui parlaient de révolution de velours, il y a des gens qui parlaient de révolution presque bossale. Mais vraie révolution, c'est la révolution de l'amour, c'est la révolution de la tendresse, c'est la révolution qui nous permet de nous mettre au service les uns les autres. Donc c'est une révolution de service. C'est pourquoi, Frère Maxime, on nous considère dimension service là comme une dimension prophétique. On a reconnaître que les bagages qui commencent à bouger dans le pays, nous. On a reconnaître que les lignes de démarcation commencent à bouger. Quand nous nous mettons au service les uns les autres, servir est une cause noble. Monde qui est habitué à servir, et me contente de ça, dit c'est de grands monde qui servent tout le monde dans le quartier, qui est des monde, manger la caillou, là où préparer le voie plat dans le quartier, à pousser la pagaie, et qu'on échange qui fait, parce qu'il y a dit si il y a pour deux, il y a pour trois. Et comme ça, nous te qu'on a vivre. Je ne dis à moun, pas servir moun encore. Et ça qui arrive, soit faire manger la caille ou fermer toute porte pour même de manger à parler, pour pas partager, pour pas servir l'autre. Frère Maxime, je dis à, ça m'a dit en pile réflexion. Celui qui pratique le service gratuit et désintéressé, c'est, comme dit Jésus, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un bel bagaille comme ça. Lorsqu'on moun qui compte servir. Et même pour politiciens, si le peuple souffre souvent, les juges politiciens comme ça, ils disent, monsieur, pas qu'on servi. Ça veut dire, et peut-être pas. Même au bandit, il dit, ah, il y a des pour continuer à manger, il va manger à l'autre monde. Parce qu'il ne va pas servir, il ne va pas servir ni manger, il ne va pas servir ni corps, il ne va pas servir ni travail, il manipule. Je dis à ces gens ça qui pour fait, pour nous sortir le mode mentalité ça. Une mentalité qui fait nous pas aller de l'avant, une mentalité qui bloque nous, une mentalité qui fait nous connaître que nous pas faire rien, tout haïtien a plein, bagaille pas bon. Tout haïtien a
fait pousser des jérémias, des lamentations. Mais si nous commençons, mettez-nous au service l'un l'autre, n'a pas que ce n'est pas plein qui a résolu le problème. Nous connaissons le premier péché contre le service, comment est entré. Les anges qui ont été créés et qui ont fait le mauvais choix, qui ont dit au Seigneur, suivez-vous, qui ça a été dit en latin, non serviam, je ne servirai plus. Mais côté péché à rentrer, je ne peux pas servir encore. Et puis je ne peux pas servir, c'est peut-être moins, l'orgueil est entré, et puis je ne peux pas presque à vivre encore. Il faut redécouvrir le service comme une grâce que le Seigneur nous donne. Il faut redécouvrir le service comme la possibilité que nous avons pour montrer au monde que nous pouvons vivre autrement. Et c'est la possibilité que nous avons pour dire à tous qu'un nouveau pays est possible. Une nouvelle communauté, il est possible de la créer et nous devons la faire ensemble quand nous redevenons tous serviteurs les uns des autres. Voici mon serviteur que j'ai choisi pour le service de mon peuple, dit le Seigneur. Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Frère Maxime, on va le finir. Mais en nous, ouais, nous-mêmes tous, nous-mêmes gens, un peu avec Jacques, avec frère Ligeant et avec maman. Parce que les Jacques, les mamans Jacques viennent demander ça. Et on l'évangile qui dit, c'est Jacques à Jean même qui demandait. Et l'évangile Matthieu dit, non, non, c'est maman qui vient demander. En d'autres termes, la famille, tu as l'esprit ça. Il paraît normal qu'on m'a demandé aux petites bonnes places. Mais parfois, derrière, une attitude, c'est que parfois, on est capable de pas comprendre qui rôle ou doit jouer. Les gens qui mettent leur tête si mounan, c'est pour toujours craser l'autre, c'est pour arriver n'importe qui gens, c'est pour lui profiter de l'autre, c'est pour instrumentaliser l'autre, c'est pour manipuler l'autre. Alors que maman semblait demander un bon bagage. Jésus pour aller de eux, rentrer dans la correction ça. C'est pour ça nous chacun et nous toutes, nous devons, ouais, nous-mêmes tous, nous dans la famille ça yo. Pays nous à vivre même réalité. Nous nous retrouvons en Jacques, en sa famille. Nous sommes souvent comme lui, comme sa famille. Nous avons le même type de comportement. Nous écoutons la parole du Seigneur et nous acceptons de le suivre. Mais nous n'arrivons pas toujours à saisir eh bien, le sens du service. Nous oublions que souvent, nous devons comprendre, comme nous dit la deuxième lecture, que nous portons un trésor précieux en nous dans des vases d'argile. Nous-mêmes, là, nous sommes des gens qui sont fragiles, nous vulnérables, nous sommes des gens sensibles, nous avons des problèmes, pas nous. Mais là, nous reconnaître ça, nous sommes capables d'offrir, mon Dieu, tout pour être capables de transformer nous, changer que nous. Et si que ça a changé, si changement a commencé là, nous, changement, nous voulons dehors, a commencé autour de nous. Et c'est raison ça qui fait, laisse ça. Nous ne pouvons pas qui nous a vint servir, nous-mêmes en premier, nous mettons-nous au service de frères et sœurs que bon Dieu mettait sur route nous. De toute façon, frère Maxime, sans une vraie conversion, sans demander bon Dieu pour lui purifier que nous, la difficile pour que nous entrions dans la dimension de service là. Nous avons pensé, nous avons demandé nous pour nous servir, c'est parce qu'elle voulait réduire nous en esclaves. Mais non, bon Dieu dit non, pour nous capables. Vivre dans la société, le service-là doit tourner un bagage qui est essentiel et fondamental pour tout le monde. Jacques, alors, montrez-nous, une fois qu'il comprend ça, désormais, il ne peut pas chercher encore pour l'occuper première place. Jésus t'a déjà dit, eh bien, l'on rentre dans le côté où invité, pas chercher première place là, ou mettre derrière. Si vous voulez, après l'eau devant, laissez-vous accepter. Jacques entre dans la dynamique, ça, il prend le premier disciple et apôtre de Jésus, premier apôtre plutôt. Puisque le premier disciple a été Étienne, le premier apôtre que pral touye dans la persécution à Jérusalem. Il pral aller dans le dernier point qui était connu à l'époque, l'Espagne, qui était, c'est l'Europe qui était connue, l'Amérique pour qu'on découverte, pour qu'on on série de zones en Asie toujours. Eh bien, c'est là l'aller pour porter bonne nouvelle là, l'occuper dernière place là. Et il y a juste comme postel là, comme postel qui signifie le champ de l'étoile. Et là, nous, c'est comme ça qu'on s'attire en pile pèlerin, en pèlerinage à Compostel, côté Jacques, Théalba et l'évangile là, l'évangile du service, l'évangile de l'amour, l'évangile du don de soi, l'évangile de la communion, l'évangile de la réconciliation, l'évangile du pardon, l'évangile que nous sommes capables de brûler en bon créole, tête ensemble. Et je ne dis pas, nous ne pouvons pas attendre que l'Église a fait autrement. L'Église doit devenir une Église servante. Nous, les femmes et les hommes de cette Église, nous devenons devenir des serviteurs. Et l'Église, comme nous dit le pape François, doit être un hôpital de campagne, capable de guérir, de servir et de panser les plaies de la population.
Frère Maxime, il y a des gens qui ont dit que l'Église a dit, li pour un tel, li pour l'autre tel, chaque chrétien est capable de faire choix par eux. L'Église en tant que telle doit chercher ce qui donne le bonheur à tous les enfants du bon Dieu. Et l'Église ne peut exclure personne. L'Église veut la conversion de tous, le salut de tous, et veut que tout le monde nous travaille pour que Haïti soit capable de prendre l'autre chemin. Et l'Église, quoi, c'est là nous entrer la mentalité ça. Jésus qui vient lumer ou du feu sous terre ça. Et qu'elle voulait que du feu ça commence dans le cœur, nous, et à travers le service, nous capables d'aider Haïti rejoindre notre route. C'est pour ça que l'Église dit non, pas jamais quitter, yon fait nous entrer dans le découragement, dans le désespoir, désespérance totale pour nous dire que tout est fini, Haïti, papa, qu'il ne salue encore, nous sommes venus trop tard dans un monde trop vieux, Haïti est trop vieille, c'est fini, tout jeune m'est allé. Non! L'Église servante doit travailler à travers les serviteurs de Dieu pour que la communauté, l'Église là, eh bien, pays a capable de rejoindre salut que bon Dieu peut pour lui, délivrance et libération, bon Dieu veut faire le cadeau. C'est pour ça. Personne ne peut se désespérer de lui-même et personne ne peut se désespérer des autres. Au contraire, il faut nous travailler pour que, à travers le service Napofri, nous sommes capables de faire communauté nous yo, eh bien, cassons ces deux vieilles chaînes. Nous-mêmes tout, nous quittons une série de vieux bagailles de côté pour nous rentrer dans le service qui libère nous, qui est authentique, qui est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour une culture de service dans la société côté nous yé. C'est seule une culture de service qui a mené nous dans ce que nous appelons une civilisation de l'amour. Et Haïti, je ne dis a besoin de ça. Marie était exemple et modèle pour nous dans ça. Lui-même qui était servante du Seigneur, elle finit recevoir toute grâce, toute miséricorde, toute belle bagaille, ça le fait courir à joindre Elisabeth, cousine, grand monde qui est malade, qui t'attend au bébé pour la servir, pour laver pied, pour l'aider. Nous-mêmes, tout ça, bon Dieu a fait pour nous, et je suis certain, là nous tournons la caille, il a senti que désormais, dans que nous avons envie de servir tout le monde, et que Haïti a pris l'autre route, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne voulaient que le pays a perdu, mais qui voulaient que Haïti joue un autre. C'est pour bon Dieu bénir nous, faire nous tourner de vrais serviteurs. C'est pour ensemble avec tout l'autre, nous mettre main pour faire Haïti joue une bonne route, route la vie, route que poser, route justice, pour en pile grâce et bénédiction descendre sous nous, là non papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour proclamer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant, frères et sœurs bien-aimés, la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu nos prières unanimes. Chantons avec la chorale. Très bon, nous te confions ton Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, ces êtres humains fragiles en qui tu daignes mettre la puissance extraordinaire, accorde-les pour que leur mission soit fructueuse pour ta sainte gloire.
Par l'intercession de Saint Jacques, Seigneur Dieu, nous te prions. Table chef, c'est pour les esclaves nous toutes. Grand-mère, n'a pas la prière pour tout le monde qui gagne sous fastère. Les dirigeants pays yo rive comprendre que première mission yo c'est servir peuple y a gouverner. Comme ça, yo va diriger avec un pile remet l'enquête yo. Et Jésus va prêter prier yo, même Jean l'était pour Saint-Jacques. Pour les marcher sous Tessa, et spécialement dans le pays nous, Haïti. Par l'entremise Saint-Jacques qui saint, Papa Boncoeur, coutez-vous à nous. Oh, Jésus l'ouvre, comme dans la détresse, mais non angoissée. Terrassée, mais non anéantie. Seigneur, vois tes enfants qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seule ta puissance peut les soutenir. Pose ta main sur eux en ce jour de fête pour leur apporter le réconfort nécessaire, la grâce, la guérison et la paix intérieure. Par les mérites de Saint Jacques, Seigneur Dieu, nous te prions. Oui, grand-mère l'a fait en pile belle bagaille pour nous. Ça te fait que nous comptons en pile. Grand-mère, mes communautés nous ont cap fêté aujourd'hui. Pour faire en pile belle bagaille pour nous. Tant pis, ben nous force à courage pour nous marcher derrière Saint Patron nous Jacques. Pour nous vivre dans couli et pour nous engager nous plus plus dans le service l'Église là, et dans le service frère accès nous yo. À l'entremise Saint Jacques, à nous la prière. Dieu notre Père, à la fête de Saint-Jacques, aujourd'hui tu nous appelles à nous donner complètement au service du Seigneur et à celui de nos frères et sœurs. Tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de cette communauté en fête. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, purifie-nous par le baptême de la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise à la fête de Saint-Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire la coupe du Christ. Il termine sa vie en se donnant pour toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. En nuit, jouyo pral traïla, Jésus prend père, l'aider au merci, li béni li, li passe le bay patisan yo, li di yo, manger la dans nos tout, réellement vrai, ça c'est comme ma bye, oh non. Même j'entoure le yofin manger, li prend calice là, l'étonne de au messie, li bénili, li baye patisan yo, li di yo, prend bouela dans nos tout. Réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui pourra le couler pour nous, et pour tout le monde, pour le pardonner péché. Fais ça pour nous, songez-moi. Allons, belle merveille, nous pas qu'à comprendre, ni mais nous quel. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Jacques et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermir la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre archevêque Max Leroy Mésidor et Monseigneur André Dumas qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Papa no, qui la ciela, seguo, notre ope, sonea, tango la ciela. Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maxime, yon nan bon moment fait ça. An nou chak, nou yon di lot ki bon côté nou an kè posé pendant nan di bonne fête. Thank you.
êtes-vous d'être les invités au repas d'amour du Seigneur? Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie des dons sacrés par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Je vous invite à vous lever pour entamer le chant de circonstance à notre saint patron, Saint Jacques. Happy birthday to you, Saint Jacques. Saint-Jean, et tout joyeux an, Saint-Jean. Petit mot usé, mais qui brille comme une pièce de monnaie. Merci. C'est la parole de Pablo Neruda. Trop souvent, dans l'euphorie de l'ambiance, nous oublions ou tout simplement nous négligeons de formuler à l'égard des gens ce petit mot de politesse, de deux syllabes, et pourtant qui résonne à jamais dans le cœur de celui à qui il est adressé. Il se sent utile, compris et aimé. Or, ils le sont vraiment, et comme nous le chantons si souvent, nous voulons que ce petit mot traduise nos sentiments. Merci. En premier lieu, nous rendons grâce à Dieu qui daigne bénir son Église en lui gratifiant de ses saints dont Saint Jacques, reflet de sa propre sainteté. Nous sommes reconnaissants envers Monseigneur et tous les prêtres ici présents, tous les prêtres qui ont participé à la neuvaine préparatoire. Permettez que nous reprenions cette phrase d'Épicure qui s'applique bien à notre situation. Ce n'est pas l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Une expression de gratitude spéciale envers notre collaborateur, le révérend père André Jasmin, prêtre de promotion, et à l'égard de tous ses prêtres. Et ce n'est pas un micro-trottoir que nous allons faire. Chaque prêtre se lève et dit son nom.
Merci, mes pères, d'être avec nous aujourd'hui, afin Réginald Joachim, curé de Mariama. Jean Kenel Erinat, dans le diocèse de Jérémy. Père Gaël Candefer de France. Jean-Édouard Israël, archidiocèse de Santo Domingo. Père Charles Félin, curé de la paroisse Conversion de Saint-Paul à Furcy. Evenet Johnson, curé de la paroisse Saint-Jude et Saint-Simon à Gonsavan. Père Jean-José Lito, vicaire de la paroisse Conversion de Saint-Paul à Furcy. Yves Carlos Romulus, curé de Saint-Laurent-Bonga. Raymond Louis-Marie, curé à Chauffard. Père Jean Denoir, donc en mission au Canada, donc je suis curé de paroisse. Raphaël Pierre-Paul, curé de Sainte-Geneviève-du-Val. Mon destin, jésuite, visite paroisse là. Edumé Patrick, Notre-Dame du Mont-Carmel, plaisance de l'Ouest Coche. Bonne fête tout le monde. C'était Émile Joseph, qui est dans la Bible. Pierre Crispin, cathédrale de Port-au-Prince. Père Michel, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Fontamara. Père William Barthelmy, administrateur de la paroisse Saint-Joseph en ville. Père Charles Bernardin Joachim, aumônier à Foutefort de Pour. Père Ducarmel Édouard, curé de Marie Auxiliatrice. Gilbert Donneville, paroisse Saint-Michel, Le Fort. Jean-Arthur Clergé, Saint-Antoine, Cognon, Grimbois. Jasmin André, collaborateur à Saint-Jacques. Père Evans Joseph, missionnaire en France. Père Laguerre, Pierre-André, curé Martissant, Néglacaille. Lionel Collin, aumônier, mouvement Kiro, dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Père Alien Iliotes, Voluntas Dei, 4e Avenue Bolos. Sœurs et frères bien-aimés, j'allais dire, et moi-même. Et maintenant, nous voulons rendre honneur à la signature d'un grand ami de la paroisse du Sacré-Cœur, un grand ami de la paroisse de Saint-Joseph, un grand ami de la paroisse de Fermat. Il s'agit bien de Monseigneur Pierre-André Dumas. Honneur et reconnaissance à Monseigneur Pierre-André Dumas pour sa grande amitié à la paroisse de Saint-Jacques et pour tous les services rendus durant les 6 années de ministère du révérend père Franz Price, décembre 2013, décembre 2019, Fermat le 25 juillet 2019. Je veux remercier
toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces 6 années de solennité à la paroisse de Saint-Jacques. Ils viennent de partout, ils sont dans la paroisse et je tiens à cœur toutes ces personnes. Je ne peux pas remercier tout le monde en particulier, mais je vous porte tous dans mon cœur. Je commence avec les certificats. Madame Joanne Gracia, en gratitude pour les services rendus durant les 6 ans de mon ministère. Madame Marie-Yves Hercule, elle est partie. La note, Sully Guerrier. Vous prenez après, je ne sais pas. Okay. Madame Myrlène. Madame Delour, Madame Florence, Père Salomon, il n'est pas là, Père Irinac, Maman Delour, il est toujours dans toute activité, je ne sais pas si là, Maman Nanotte, c'est comme ça, je suis toujours et Léo, Vierge Elie, Sauveur, Maman Ben, il est dans la chorale, Saint-Clair, Etia Raymond, Nadeline, Dina Zafé Nettoyage, tu es là, tu avances, merci. Paulette Paul, Paulette, tu es là. Béatrice, Nansolda, Mackinson Mathieu, et Didier qui t'a aidé nous pendant toutes 6 ans. Maestro Rigan, chéri. Et nous battons bravo pour lui. Caroline, chéri. Marlène, Jean-Louis, c'est lui-même qui toujours aidé dans les affaires, manger dans Kaila. Richard Derival, maître Richard. Jean-Marie Derival, c'est tout le monde qui t'a toujours campé ensemble avec nous. Vedora Pierre. Et Danak, lui-même qui préparait, et Timonio pour affaires, Mime. Père Irvel Mondor Célestin, lui absent. Père Jasmin André. Père Ducarmel Édouard. Madame Dutelli, c'est une femme forte de caractère et nous dit merci. Moi, content en pile, travaille dans la paroisse là ensemble avec vous. Benita Rosenberg, c'est lui-même qui dans la prière, qui toujours aidé nous. Sœur Bébé. Madame Esmeralda, et c'est toujours aidé nous dans le trésor, et nous disons un grand merci pour la présence dans la paroisse Saint-Jacques. Monsieur et Madame Guillaume, Monsieur et Madame Michel, c'est 2 médecins qui sont très engagés en tant que communauté. Ça. Nous disons merci en pile. Merci. Monsieur et Madame Clinton, ils ont été bien loin, mais c'est bons amis, communauté ça que vous avez. Merci en pile pour ça nous y est pour nous. Monsieur avec Frémio, nous profiter pour nous capables de remercier Madame Marie, c'est lui-même qui fait décoration avec toute l'équipe,
et c'est lui-même qui fait restauration pour nous. Merci, Madame Maryse. Je veux remercier tous les amis qui sont sortis de la France. Il y a 21 qui là, nous invité nous pour nous cramper. Et merci, merci. Il y a tous qui sont sortis de la France. Merci pour votre présence. Nous nous battons bravo pour nous. Et les amis qui sont sortis des États-Unis. Il y a un frère, il y a une belle-sœur, il y a un frère en seul, et il y a Anne-Marie, il y a Madame Souvenir, nous-mêmes qui là, qui sortis spécialement pour ça, nous disons, y a un grand merci, nous battons bravo pour nous. Et moi, invitez-nous pour nous capables de dire merci à Canal 18. Nous battons bravo pour nous. Merci. Nous disons un grand merci à Honorable, c'est député Alfredo Antoine, merci pour ce yé pour la communauté. Et nous disons merci pour une belle chaise. C'est grâce à vous-même et nous chita pi bien. C'est pour bon Dieu béni, bien béni dans tout ça, ou entreprendre. Et nous disons merci. Merci, Monseigneur. Dans nos communautés, Père Price, humilité, pour dévouement dans la communauté, pour desservir le peuple chrétien, par organe, la population Keskopla, qui voulait décerner une plaque d'honneur pour bailler avec Père Price, ou Père Price, ou de faire des heureux, mais heureusement que le peuple Keskopla a pensé à Père Price. Merci. Honneur et mérite au Père Price, Franz Price, curé de la paroisse Saint-Jacques de Fermat, pour son efficace travail dans la communauté chrétienne. Keskov, Haïti, le 25 juillet 2019. Merci. Oui, nous disons merci. Père Émile, t'es campé Kaela. Et nous-mêmes, nous mettons esthétique, beauté, la dame. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Merci pour ça. En nous campé pour bénédiction, jusqu'avant, Monseigneur, une minute, parce que nous allons chanter. C'est façon ça, moi, je voulais dire, nous, chaque, avec nous tous, merci. Moi, je ne vais pas citer non, tout excuse-moi. Parce que nous connaissons, nous portons nous. Donc, pour notre terre hospitalière et pour nos mères si nourricières, je chante la gloire du Seigneur. Thank you.
et pour les champs et les forêts, et pour la pluie et pour les loups, je chante la gloire du Seigneur. Pour chaque jour et chaque nuit, pour tous les jours, pour toutes les nuits, nous chantons merci. En nous camper, moi aimé nous chaque, moi aimé nous tous. Bonne fête, Saint-Jacques. Mes amis, juste avant, by bénédiction, bon Dieu dans le ciel là. Mes chefs d'orchestre, vous m'blez, gros fête, Saint-Jacques, n'a fait. N'a bébé m'dit, Père Price, un gros merci. Bravo, mon père, pour tout le travail vous faites ici depuis 6 ans. Que bon Dieu bénit le ministère. Bravo encore, vous, Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé sur le témoignage des apôtres votre foi à la prière de Saint-Jacques, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Amen. Dieu a fait que son témoignage ne s'est pas perdu et que son exemple vous touche. Votre foi tient son assurance de la foi des apôtres, que votre prière obtienne de leur prière les biens du ciel qu'ils ont déjà reçus. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de Saint-Jacques, un gros bravo pour bon Dieu dans le ciel là. Et sur la terre.
Ils sont beaux.